Bonjour donc, moi j'ai fait une petite vidéo en français, juste parce que j'avais fait une en allemand et une en anglais. Et donc pour eux qui ne parlent ni l'allemand ni l'anglais, parler l'allemand, encore ça va, mais normalement tout le monde devrait, dans le temps moderne, parler au moins un minimum d'anglais, moi je pense. Mais bon, il y a des jeunes qui n'ont pas l'intérêt de s'éduquer. Hein. Donc, oui, j'ai recommencé à faire un peu du jardin. Pas aujourd'hui, j'ai commencé, il fait déjà quelques semaines ça. Et j'ai envisagé toujours de me barrer d'ici, de partir au courant du mois de mai. Et j'ai trouvé une fournisseur où je pourrais acheter une marabout de l'armée française pour m'installer dedans sur le terrain de mes amis dans l'Aude pour le moment. À part de ça, j'ai trouvé deux terrains éventuellement intéressants, plus permanents. En Ariège, sur le bon coin, j'ai trouvé ça. Mais comme je n'ai pas de véhicule, et même si j'avais un véhicule avec le prix de gasoil, que j'ai vu hier, 1,80€, n'importe quoi. Hein. Il faut prendre tout le politicien. Hein. Parce que ça, c'est la plupart de cette prix, c'est des impôts, hein, c'est des taxes. Et donc, ça sera un peu loin. Et c'est pour ça aussi, moi, j'aimerais bien bouger bientôt. Comme ça, je pourrais m'occuper de trouver un terrain plus permanent que celle où je vais aller maintenant. Donc oui, j'ai trouvé cette fournisseur de tente près du Montpellier, dans une bled qui s'appelle Lunel. Et le prix est ok aussi, il demandait 1390€, je pense. Ça sera tout mon argent, même ça sera juste pour que j'y arrive à le payer, mais j'y pourrais arriver, je suis sûr. Mais le problème c'est que son stock est épuisé et j'ai regardé chaque jour, chaque matin, chaque soir, j'ai regardé sur le site internet si cette tente n'est pas disponible à nouveau et j'avais même l'a appelé mais il m'a dit il ne sait jamais quand le régiment où il récupérait son matos. Il ne sait jamais quand il y a des trucs disponibles et il ne sait jamais en avance combien de tentes il va recevoir. Mais bon, pour le moment, j'ai fait une réservation. Je n'ai pas encore demandé à faire une avance ou quoi que ce soit pour le sécuriser. Mais au moins au téléphone, le gars, il paraît être très sympa. J'ai parlé très longtemps avec lui sur le téléphone. Donc on a discuté des autres tentes et tout ça, mais bon. Ok, bon, oui, ici, là, j'ai fait un peu du mulching, j'ai pas paillage. Donc moi, j'ai descendu avant hier, j'ai repris une bidon de pétrole pour la débroussailleuse. Donc j'ai fait la débroussaillage, comme toujours, autour de la maison. J'ai laissé sécher une, deux jours et après j'ai mis ça autour de mes plantations. Ça garde bien la humidité dans le sol. Et bon, si jamais j'ai bougé au mois de mai, ce sera pour le blaireau et pour le sanglier, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai fait ça vraiment parce que ça m'a fait plaisir, même si ce ne sera pas la personne qui fait la récolte après. Donc ici sur la droite où je viens juste de mettre des herbes coupées, j'ai mis des haricots. Plus sur la gauche,
Là, j'ai mis du. Il faut même moi, j'ai regardé des ciboulettes. Et sur le deuxième petit morceau là, j'ai mis de le persil. Donc, et ici, j'ai mis quelques pieds des courgettes. Mais là, il y avait déjà le blaireau était dedans déjà. J'ai vu les traces. Et il faut que j'aie regardé si les grains sont encore là. Et sinon, il faut juste le remettre. Après, on a cette morceau là. Et bon, et cette morceau là, ça fait 6 ans que j'ai essayé à planter des trucs là-dedans. Et il y a quelque chose, je sais pas, peut-être une des anciennes habitants ici, peut-être il y a enterré quelque chose ou il a jeté du chaud ou du sel ou je ne sais pas quoi. Mais ici, ça, des trucs, ils poussent, mais très mal. Et souvent, ça fait des feuilles brunes et tout ça, mais c'est seulement sur ce morceau. Les autres morceaux, ça va. Donc, j'ai essayé, j'ai mis quelques pieds, j'ai mis quelques pommes de terre là-dedans. Maintenant, il faut attendre, il faut voir si ça monte ou pas. Après, ici, on a le sauge. Ça, c'est une arbuste. C'est une arbuste, le sauge? Je ne sais même pas. C'est une arbuste de sauge, le pied de sauge que j'avais amené ici 6 ans de ça quand j'ai arrivé de mon ancien terrain à Bugarach où j'ai vécu avant. Et ici, j'avais cette petite morceau libre ici. J'ai juste mis quelques grains, quelques semences du sauge aussi. Peut-être ça pousse, peut-être ça pousse pas. Je ne sais pas. Ok, oh, vite fait, on va passer aussi au. Attends une seconde. Snow, stop it! On va faire vite fait une petite tour en bas, dans le grand jardin. Mais comme j'ai dit, hein, moi vraiment, c'est. Moi j'ai fait ça parce que ça me fait plaisir. Mais. Ok, dans les années où j'avais encore pensé, bah, ok, moi j'ai pensé peut-être c'est le terrain où j'ai pu finir mes jours. Finalement, c'était pas le cas. Mais je veux pas dire sur chaque terrain j'avais pensé ça. Mais il y a des terrains où c'est le vibe où je sens vraiment que c'est des bons vibes quand le terrain ici il est parfait. Il y a de l'eau, il y a une jolie cabane et il y a des possibilités de faire des jardins et il y a plein de bois, donc c'est idéal. Et surtout, c'est loin, pas assez loin, mais c'est loin de presque toutes et tous. Donc, j'ai voir très peu de personnes ici. Et ça, c'est très bien comme ça. Et si j'ai, bah, s'il y a des occasions où il y a des randonneurs perdus et tout ça, j'ai toujours fait le vieux un peu méchant ou quoi, pour qu'il ne revienne pas. Donc, oui, j'espère le prochain terrain, donc pas le terrain où je vais aller maintenant, mais j'espère que je vais trouver un terrain. J'aimerais bien trouver un où je pourrais juste rester et pas des propriétaires avec des idées bizarres qui se font des films dans la tête comme ici. Hein. Moi, j'ai vu dire, ils sont bien gentils et tout ça, mais après, c'est un peu bizarre aussi. Mais voilà, la vie est comme ça. Moi, j'y suis un peu bizarre aussi. Ok, oui, ici, moi j'ai refait des chemins un peu, j'ai tout coupé. Donc, le jardin de bas. J'ai même remonté le bord de plantation et tout ça. Tout ça, j'avais déjà démonté, hein. Mais l'année dernière, déjà, j'avais pensé que j'ai bougé. Et après, au fin, ça n'a pas été le cas. Et là, j'y avais rien préparé. Et après, j'étais le con. Moi, j'avais pas de pommes de terre. Et
avec le prix qui augmente là. Et la plupart de vous qui ne se rebellent pas contre le gouvernement pour arrêter ça, ça, pour moi, c'est encore une raison de plus de me retirer le plus que possible de votre société, parce que, à mon avis, la plupart d'entre vous, vous êtes des cons, vraiment. Donc ici, j'ai juste mis quelques fleurs, parce qu'ici, c'est un petit morceau qui n'était pas encore très travaillé, donc il y a encore beaucoup de gravier et tout ça dedans. Et là, je vais mettre juste des fleurs, parce que c'est joli et ça fait du engrais vert. Gratuite. Oui, ici c'est des fraises et ça c'est des fraises de bois. Et en fait, pas loin d'ici, j'ai 6 ans de ça, 5 ans de ça, j'ai trouvé une petite morceau avec des fraises de bois. Donc j'ai pris une pelle, j'ai déterré un peu et j'ai le mis là, sur le morceau là derrière de la clôture. Et je l'arrose régulièrement et tout, et ça pousse grave. Hein. Ils sont trop petites, ces fraises, mais ils sont très délicieux. Désolé. Donc, là, encore une pied de courgette. Tout ce morceau-là, c'est tous des pommes de terre, mais ils ne sont pas encore montés. Ah, ça a commencé à monter quelque chose là, un peu, je vois, mais je ne sais pas si c'est les pommes de terre. Ici, je n'ai rien encore fait, mais ici, c'est un bon morceau. J'y ai travaillé déjà depuis plusieurs années. Mais il y a du gravier qui remonte. Hein, j'ai fait des sauts et des sauts, j'ai sorti des sauts et des sauts du gravier, mais ça remonte chaque fois. Et ici, mais la terre est déjà très bien parce que ici, c'est un morceau que j'ai planté depuis le début et j'ai mis déjà des années et des années. J'ai mis du fumier, du terreau, parce que si je mettrais rien ici, ça pousse mal, hein, parce que ici le sol elle est pas très riche. Il y a très peu de matière organique. Et c'est pour ça aussi je mettrais toujours des paillages et tout ça. Ici pareil. Ah non, ici j'ai mis tout ça c'est du persil. Comment ça dit tête. Ah j'ai oublié le nom en français. Pétasil normal. Et ici, bon, ça c'est encore un peu pas trop travaillé, mais j'ai mis vite fait, j'ai mis des haricots aussi. Et là, c'est encore rien n'est fait encore, je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire. Donc voilà. Petite mise à jour jardin. Donc ça c'est mon goji, que c'est aussi une plante que j'avais amenée 6 ans de ça du terrain où j'étais avant. Bon lui, on n'a vu pas de chance. Hein. Alors lui, c'est une abricotier et en fait, il était sous le ronce plus haut près de la maison. Et j'avais fait le débroussaillage et j'ai le coupé en fait une fois. Mais j'ai le déterré, j'ai le taillé un peu et j'ai le remis ici. Il pousse bien, mais comme on a vu du gel, parce qu'il y avait déjà plein de fleurs et j'étais déjà cool, il va avoir des abricots et tout ça, mais puis il y avait un grand gel qui est venu la semaine dernière ou 2 semaines ou quoi, je ne sais plus. Bon, maintenant. Mais j'ai continué de l'arroser, tout ça. Peut-être il va se récupérer. Ici, encore des fleurs sauvages. OK, ça c'est ça pour le moment. Je vous souhaite tous une très bon printemps. Soyez heureux. Préparez-vous, peut-être on va avoir une guerre là, donc faites des courses, achetez la nourriture, des semences, des outils, des armes si vous avez des contacts, des munitions. Restez vigilants et préparez-vous. Ok, petite vidéo vite fait. Je vous dis à bientôt.